Dozens of tourists trapped in cable cars high above the Alps in Europe were safely rescued on Friday. After a series of cable cars holding 110 people stopped working on Thursday at an altitude of nearly 12,000 feet, leaving them dangling over the Mont Blanc mountain range overnight, prompting a major rescue operation. C'est une opération de secours qui est hors norme. Elle est hors norme par le volume de personnes à secourir. On secourt rarement 110 personnes d'un coup en haute montagne. Et elle est hors norme par le milieu où elle se passe. Il faut avoir conscience qu'on parle là d'une installation qui est située à 3800 mètres d'altitude, au cœur d'un des plus vastes glaciers d'Europe, sur une distance qui fait 5 km. Donc on a 5 km de câbles aller et de câbles retour. Et sur ces 5 km, on a, par grappe de 3, on a 36 télécabines qui sont réparties. Donc c'est tout simplement inouï l'ampleur qu'a pris cette opération de secours. Initially, 65 people were rescued, but the search effort had to be suspended overnight because of rough flight conditions for helicopters. The remaining 45 were brought down to safety in the early morning.